fait parler tout le monde. Donc un petit mot sur cette première journée. Déjà, qu'est-ce qui vous avait motivé à venir pour ce rendez-vous en terre jurassienne? Je dirais que ce qui m'a motivé, c'est le souvenir et la nostalgie. J'étais venu ici il y a quelques années sur ce golf présidé par la famille Tingly que j'avais rencontré à cette époque. Et je me suis dit qu'il ne fallait peut-être pas attendre trop longtemps pour revenir. Et ce fut le cas aujourd'hui et ce fut un grand bonheur. Le golf fait partie de vos disciplines habituelles ou c'est, ah oui, c'était pas... C'est le sport qui accompagne ma vie depuis le plus jeune âge. J'y trouve énormément de satisfaction. J'y trouve chaleur, échange, convivialité, chaleur humaine, paysage magnifique. Et puis voilà, il y a une éthique dans ce sport que j'aime énormément. Donc cette première journée s'est bien passée? Cette première journée s'est très bien passée. J'ai eu la chance d'être accompagné. Bernard Regard, Jean-Sébastien Lacroix, Michel Ulrich, le casting était excellent. Franchement, je ne sais même pas exactement le score que nous avons fait, mais je suis très heureux. Et ça aussi, c'est ce qui me plaît dans le golf. L'équipe annonce son score, vous annoncez le score, il n'y a pas d'arbitre, il n'y a pas de vérification. Et je trouve ça super. C'est pour ça que j'aime profondément ce sport. Je trouve que c'est également un peu une école de vie, d'une certaine manière. On vous retrouve demain? Avec grand plaisir, vive les Rousses. Merci beaucoup en tous les cas. Elle a même pas envie de se dérouter quand même.